Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Bougainville, traverse du Bacha très exactement, sous la passerelle. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a tout un tas d'activités, c'est organisé par Euroméditerranée, ça s'appelle le Move Day. Et on va vous montrer un petit peu toutes ces activités, à quoi ça ressemble, c'est parti. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui ? Bonjour, et ben prendre un peu la température de cet après-midi festive organisé par Euromed, en lien avec la mairie de secteur bien sûr, sur des aménagements qui ont été conçus il y a, en tout cas livrés il y a plusieurs mois, qui sont très appréciés, qui n'ont pas du tout été dégradés. Je suis venue faire un petit tour en tant que maire de secteur pour justement, je me suis réjouie toujours d'occuper, que nous occupons l'espace, que ce soit Euromed ou la mairie de secteur. On travaille réellement en partenariat. Et voilà, et cet espace, on a envie de se le réapproprier. C'est ce qu'on a fait il y a quelques mois. On renouvelle l'expérience. Vous savez qu'il y a un jardin aujourd'hui que les enfants fréquentent à la sortie de l'école. Et pour nous, c'est très important sur cette zone de se le réapproprier, comme je vous l'ai dit précédemment. Parce que pendant très longtemps, ça a été un peu une zone de non-droit où il ne faisait pas bon se balader par ici. Aujourd'hui, on a mis des dispositifs justement pour rendre cette zone de vie un peu plus agréable. Et bien évidemment, je ne peux que m'en réjouir. Et aujourd'hui, je suis venue un petit peu comme les habitants et les enfants sur place pour voir tout ce qu'on peut proposer. Vous avez bien vu, il y a à la fois des stands mairie de secteur, mais aussi des stands Euromed. Et voilà, on est toujours sur du partenariat. Alors Oscar, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je fais du graphe et je peins. Ouais, t'en as déjà fait du graphe avant? Non, je n'en ai jamais fait, mais c'est mon rêve. C'est vrai, c'est ton rêve? Ouais, j'attendais depuis longtemps. Et donc t'es en train un peu de le réaliser? Ouais. Comme activité, j'ai fait du skate au premier. Et là, dans une minute, je vais aller faire des graphes. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Parce que je vois sur tes bras qu'il se passe des choses. Ah oui, j'ai fait aussi les drapeaux du Comore. En train de jouer à un jeu au foot, mais avec des billes. Ok, et qui c'est qui gagne? C'est lui là. Tu t'amuses bien? Tu passes une bonne après-midi? Ouais, oh, bonne après-midi. Qu'est-ce que tu as fait comme activité jusqu'à maintenant? J'ai fait, par exemple, les briques. J'ai fait un peu tout à l'heure. Et après, il y a des goûters là-bas aussi. Et voilà, il y a un jeu là. Et le skate, t'as testé? Non, pas encore, je vais aller tester après. Ah, tu vas aller tester le skate. Et le graph aussi? Non, aussi. Les deux, je ne les ai pas testés, c'est tout. Et tu t'amuses bien? Tu passes une bonne après-midi? Ouais, bonne après-midi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de venir sur le territoire, dans le quartier des Crottes, pour faire un événement festif et en même temps commencer à parler du projet d'aménagement d'Euroméditerranée, tout ce qui se passe autour, puisque le quartier des Crottes, c'est ce noyau villageois qui était anciennement autour d'un tissu industriel qui est en train de se rénover pour devenir un quartier d'habitation avec bientôt un grand parc sur les voies ferrées qui sont juste à côté de nous. Donc c'est des moments pour que les gens se sentent partie prenante du projet, qu'on leur explique ce qui se passe et puis que ce soit un moment aussi de fête de quartier assez sympathique. Donc là, vous voyez, il y a un atelier très intéressant sur ce qu'on pourra faire une fois qu'on aura renaturé le ruisseau des Égalades. Donc c'est aussi une façon de faire un peu de concertation avec les habitants, les enfants, parce que les enfants ont toujours beaucoup d'imagination aussi en concertation, c'est toujours très intéressant. Donc on les fait aussi commencer à réfléchir sur ce que sera le futur parc, la renaturation du ruisseau, ses usages. Donc c'est pour nous aussi une matière très enrichissante pour notre projet. Et voilà, c'était le Move Day organisé par Euroméditerranée, traverse du Bacha à Bougainville. L'idée, c'est à travers tous ces stands et toutes ces activités de montrer un petit peu la réhabilitation de ce quartier. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite.